Aujourd'hui, dans l'équipe, on était 5 pour Sonar Cube. Donc Antoine, Laura, Luc, Mathieu et moi-même. Donc, du coup, on a pu travailler et continuer chacun sur les parties respectives qui nous intéressaient. Donc on va détailler, c'est-à-dire Luc et Laura, plus par rapport aux règles et au linter S-Linked. Moi, c'était plus par rapport au test pour la couverture complète. Et aussi, j'ai essayé d'intégrer l'analyse dans WebStorm. Parce qu'il y a, on parlait aussi de permettre aux développeurs en local de pouvoir lui-même avoir accès à une analyse de son code. Et puis Antoine et Mathieu, ils ont travaillé pour mettre une version Docker pour pouvoir uploader, je crois, un quality profile propre, c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'on a un Dockerfile avec Sonar, et puis du coup, on peut travailler soit pour James, par exemple, ou soit pour JavaScript, suivant le quality profile qu'on a avancé. Antoine, je ne sais pas si tu veux présenter. Ouais, c'est ce que tu as fait comme ça. Donc là, c'était le plugin d'intégration, le plugin GitHub pour Sonar qui permet d'avoir les commentaires de defects de Sonar qui apparaissent dans la pull request. Donc en fait, on pense que c'est le meilleur moment en fait, pour avoir un feedback. Donc, ça, c'est sur du nouveau code, mais c'est le moment où le développeur il est en train de travailler dessus. En fait, on pense que c'est amené à être l'usage principal de ce genre d'outil de qualité. Du coup, ça va bien dans le workflow du développement. Donc là, c'est un exemple sur notre code Java de James. On a exécuté, on a fait une pull request où on importe une classe qui n'est pas utilisée. Donc ça génère un warning au moment de passer. Ce markup sur notre code, donc ça l'ajoute ici. Et la même chose, on l'a pas fait encore, mais il y a la même chose sur Stash. Si on continue sur le sujet demain, je pense que ce sera un truc à faire. Alors, pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Yannick, donc en fait on a travaillé à... Enfin, Sonar, c'est principalement un outil où on clique dedans. Donc, en fait, globalement, une fois qu'on aura discuté des règles qu'on veut mettre et qu'on veut pas mettre, il faudra aller désactiver ou activer à la main dans l'outil les règles. Et, c'est difficile de capitaliser comme ça. Donc, en fait, un des objectifs qu'on avait ce matin, c'était de pouvoir exporter des configs qu'on fait sur les règles pour pouvoir les réimporter dans un Sonar. Donc du coup, on aura un fichier texte dans lequel on va décrire les règles qu'on veut et potentiellement on va pouvoir le faire évoluer par les PR, pour avoir un tracking dans Git, faire ça. Et donc l'étape suivante, évidemment, c'était d'automatiser tout ça pour que, en gros, quand on lance un Sonar, on puisse poser dans un répertoire le profil de qualité qu'on veut et que du coup, en lançant Sonar Cube, le profil soit par défaut pour le langage qu'on veut. Donc, travailler sur la problématique de code Java, mais ce sera avec du JS. L'idée, c'est qu'on travaille avec beaucoup de Dockerfile, mais c'est pas très important. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un volume qui est monté, donc c'est la manière d'amener le profil dans le Sonar une fois qu'il est démarré. Puis on a un bootscript SH qu'on va rajouter très très large, qui en gros va utiliser les API REST de Sonar pour aller déployer le profil pour que par défaut Sonar se comporte. Une fois qu'on a le Dockerfile, on prend ça, on a directement le Sonar qui est opérationnel avec la même conf. Ça permet de capitaliser ce qu'on est en train de faire sur le choix des règles et ainsi de suite, de l'avoir dans un dépôt de code quelque part. Voilà, on voyait la mise un peu des API. Moi, je voulais vous montrer un truc. On espère que ça marche. Juste un truc, ça ressemble à quoi, le fichier profil, du coup? C'est là avec les noms des règles et activé ou pas, c'est pas très visible. Je ne sais pas si ça marche. T'avais dit la chaîne, il y a des chutes.
que c'est dans les slides, je vais vous montrer ce que donnait un outil qui s'appelle P-Test. Ouais, ce que je veux faire, mais je ne sais pas comment. Parce que là, je ne peux pas justifier. Ah si, je peux dire, en fait, c'est de faire le rendu, c'est ça. Ouvrir dans le lecteur système. Ah ouais. Donc, P-Test. C'est un outil qui va introduire des mutations aléatoires dans son code. Bon, ça se configure pour que ça mute dans le tout n'importe quoi. Et donc, le but, c'est de, après d'avoir un report qui nous dit quand j'ai modifié telle ligne, il n'y a pas de test qui a échoué, donc il nous manque un test. Donc, après, à chacun de voir si c'est important ou si c'est pas important. Et donc, après, ça fait des reports comme ça. Donc, en disant. À chaque fois qu'il y a une ligne avec un numéro, c'est qu'il y a une modification. Quand c'est rouge, voilà, il nous explique pourquoi c'est rouge. En gros, il nous dit j'ai changé le retour de cette fonction-là et j'ai détecté qu'un test n'est échoué. Il y en a d'autres, c'est sur des histoires de timeout en fait, parce qu'en modifiant le code, il n'y a pas de déterminisme du résultat, donc il ne peut pas savoir si en changeant un morceau de code par hasard, il a introduit une boucle infinie ou une complexité algorithmique de fou. Donc en fait, il donne un temps d'exécution qui est le temps d'origine fois un quota, donc, 125%. Et si au bout de 125% du temps initial, ça ne s'est pas passé, du coup, il est allé. Donc là, je ne sais pas pourquoi, j'ai un moment de. L'idée c'est ça. Après ça fait des reports de plus haut niveau. L'idée c'est qu'on peut aussi avoir sur un package, sur un projet, c'est toute une vision de. Est-ce que. Enfin ça fait une sorte de coverage en fait. Une vision de est-ce qu'on teste bien les composants, est-ce qu'on teste pas bien. Parce que quand on modifie le code, il n'y a rien qui se passe dans les tests, quelqu'un ne teste pas grand chose. Voilà, et donc je suis venu à ça parce qu'en fait il y a un plugin dans SonarQube. Permet de se relier à ça. Donc l'idée c'est probablement d'utiliser ça en lien avec Sonar pour avoir une métrique de est-ce qu'on teste bien. Voilà, après je pense qu'il faut l'utiliser pour voir si c'est pertinent avec les mesures on utilise, mais je pense que c'est de toute façon plus pertinent qu'un conversion comme ça. Ça n'a pas connu d'un ordinateur. Là c'est vachement intéressant parce que c'est par l'exemple. Il faudra aussi le temps d'exécution parce que ça peut être assez moche. Bah, en fait, il fait quand même paramétrer de couverture, donc il va lancer les tests quand il sait que ça passe dans le code. Pas à relancer tous les tests à chaque modification. Et a priori, ça peut quand même vite. Et après, voilà, il y a des intégrations aussi dans les IDE, donc potentiellement, ça peut être intéressant. Nous, on est en train d'écrire les tests. On a vraiment guidé quand on écrit 5 tests sur son compte, on considère que c'est le bon. Ça peut être intéressant d'utiliser ce moment-là parce qu'il va me dire ah oui, ça ne faut pas tester. Et ça peut permettre d'avoir plus d'idées sur